Bonjour, c'est Rémi, dimanche 18h. Cette semaine, c'est pas une vidéo d'high-tech, c'est pas une vidéo de bagnole, c'est une vidéo un peu particulière. Je l'ai sous-entendu dans la dernière vidéo où je vous parlais de Nissan et de son moteur 40 kg, 400 chevaux, incroyable du cul, aux 24 heures du Mans. Ça, je vous laisserai aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Elle sera sur l'écran de fin de cette vidéo, en fin de vidéo. Eh bien oui, je vais faire une pause YouTube au mois d'août. Donc vous aurez compris, c'est-à-dire qu'au mois d'août, vous n'aurez aucun contenu, mais c'est normal, c'est décidé. Alors pourquoi je fais cette pause? Tout simplement parce que j'ai ressenti le besoin justement de souffler au niveau de YouTube, de regarder vraiment, de tourner la tête de l'autre côté et de regarder ce qui se fait ailleurs en ce moment. J'ai aussi une réflexion, je me dis, en fait, je suis peut-être resté depuis plus de 10 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, je suis peut-être resté en fait, on va dire, un petit peu en arrière sur les méthodes de vidéos, etc. J'ai toujours cette impression de ne pas avoir pris le pli, on va dire, sur tout ce qui est nouvelles règles, nouveaux contenus, etc., qui peut se faire en ce moment, en fait. J'ai l'impression de tout le temps avoir un espèce de train de retard. Bon, ça m'empêche pas de... Tu vas te casser ton camion, hein, bordel de merde, je parle. On me laisse parler quand je parle. Cette pause du mois d'août me permettra aussi de... Voilà, vraiment de... C'est littéralement ça, en fait. J'aime bien cette expression, c'est tourner la tête de l'autre côté par rapport à ici, à la caméra, en fait. Tourner la tête de l'autre côté et regarder, en fait, ce qui se fait, et voilà. Piocher, on va dire, des idées, piocher les techniques de vidéo, si j'arrive à en trouver, et voilà, si ça me permettrait d'améliorer ce qui se fait ici, pourquoi pas. J'ai aussi ressenti simplement le besoin de faire une pause pour me recentrer, en fait, sur moi, personnellement, ma situation personnelle, ma famille, des gens que j'ai pas vus depuis très longtemps. Voilà, juste ça, en fait. Faire une pause, arrêter et aussi me concentrer plus sur mon boulot, parce que à côté de YouTube, j'ai une vie salariale, hein, faut pas l'oublier. J'ai un boulot qui me prend parfois énormément de temps, des journées bien remplies avec 8 heures de boulot, plus 1 heure trajet aller, 1 heure trajet retour. Parce que je vis pas à côté, vous comprendrez bien. Donc ça me fait, si on compte au total des journées de 10 heures, en fait, là-dessus, donc parfois pour les vidéos, c'est compliqué. Donc là, pour le mois d'août, il faut aussi que j'extériorise, on va dire, le YouTube, que je souffle, en fait, que j'arrête d'y penser, vraiment, et que je me centre à fond sur moi, la famille et le boulot. Donc voilà, c'est la raison principale qui me pousse, en fait, à faire une pause. Je dis pas, je vais revenir en septembre, ça, y a pas de souci. Quoique, vous ne savez pas, ça, c'est le doute. Je vous propose, on fait un test, je fais une pause au mois d'août, je vois comment vous réagissez. Si vous le prenez bien, si vous réagissez bien, et ben au mois d'octobre, j'ai fini, j'arrête. Non, j'aime trop faire des vidéos, partager en fait ce que je sais, ce que je vois, moi qui aime bien l'high-tech, les bagnoles, etc. Ce que je peux savoir comme connaissance et parfois des actualités qui passent comme ça, c'est le sujet des vidéos en ce moment. Et ben j'aime bien vous partager ça. Ce serait même encore mieux s'il y avait vraiment de l'interaction entre tout le monde sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Mais semble-t-il, on n'est pas encore assez nombreux. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, le charou. Et activez la cloche des notifications juste à côté. Il y a aussi les réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste ici, Facebook, Instagram et Twitter, et ils sont aussi en dessous dans la description. On peut se la jouer à soit l'un, soit l'autre. Soit l'abonnement YouTube, soit les réseaux sociaux, puisqu'en fait je reposte les vidéos, les liens des vidéos qui sortent sur les réseaux sociaux. @Cérémy officiel sur tous d'ailleurs. Voilà, la promotion est calée. Je peux maintenant m'en aller tranquillement. Je vous laisse les clés. Tenez, les clés. Faites bon usage de ces clés. Ne foutez pas le bordel pendant tout le mois d'août. Je reviens le dimanche 5 septembre à 18h. Je ne dirai pas que c'est pour une nouvelle saison, parce que cette histoire de saison, je trouve que c'est une pure connerie et ça fait bien longtemps que j'ai abandonné l'idée. Mais je reviens le 5 septembre, de retour de vacances, pour des nouvelles vidéos et qui sait, peut-être voilà du contenu si jamais il y a vraiment du changement et de l'avancée aussi dans les projets YouTube. Et simplement aussi vous dire que tout simplement YouTube, ce que je fais ici là actuellement, et ça m'a vraiment, c'est ce que je dirais tout le temps en fait à chaque fois dans les bilans, etc., c'est que ça m'a vraiment en fait au final personnellement aidé en fait réellement à une époque où quand j'ai démarré j'avais une certaine, on va dire, timidité, j'avais du mal en fait à aller vers les gens. Je sais pas si c'est juste l'âge qui a avancé, la vieillesse, parce que je suis vieux, j'ai 23 ans. Ah, c'est vieux 23 ans. Ah ouais, peut-être à 25 ans, je vais être mort. On sait pas. Non, mais est-ce que c'est l'âge où réellement YouTube, en fait, qui m'a permis d'avancer sur ça? Mais là, j'ai beaucoup plus, je dirais, j'ai plus aucune difficulté à aller vers les gens, etc. YouTube, pour moi, m'a vraiment aidé aussi là-dessus, à prendre la parole en public et à ne plus avoir peur, en fait, si on peut dire ça comme ça, de m'exprimer et dans un sens de dire ce que je pense, en fait, et d'améliorer aussi, voilà, ce que je peux dire, ma diction, etc. Tout simplement. Donc, gros point positif, personnellement parlant. Je vous laisse, pas besoin de faire plus long, c'est déjà assez long comme ça. C'était Rémi, passez un excellent mois d'août. Rendez-vous au mois de septembre. Ciao, ciao, bon week-end.
bonne fin de week-end, parce qu'on est dimanche. Allez, et je m'en vais vraiment en me levant de ma chaise. Au calme, c'est fini.